prensa. El doctor en medicina del año 85 y doctor en filosofía. El doctor Misa es director de investigación del Fondo Nacional Belga para la Investigación Científica y profesor de la Universidad Libre de Bruselas. Su investigación se centra en la filosofía de las ciencias biomédicas, especialmente en el campo de la neurología y la psiquiatría biológica y la bioética. El doctor Misa es director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Bioética y miembro del Comité Consultivo de Bioética en Bélgica. En 2002 al 2003 fue Fulbright Visiting Scholar de la investigación de la NUI en New York University, expresidente de la Sociedad Belga en Filosofía y actual presidente de la Société pour la Philosophie de la Technique. Fue nombrado experto de la Comisión Europea para el Consejo Europeo de Investigación Peer Review Rating. Le doy la bienvenida al doctor Misa y a su ponencia, Gilbert Otoa. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Je vais parler en français, je m'en excuse, parce que c'est vraiment, mon espagnol est très mauvais, je comprends un peu, donc s'il y a des questions, je pourrais sans doute les comprendre, mais comme il s'agit de parler de l'œuvre de mon ami et collègue Gilbert Otoa, qui écrit en français, je préfère faire cet exposé en français. Et je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement, mais vraiment du fond du cœur, Rémy Escobar, Constanza et toute l'équipe du département de bioéthique de l'Université del Bosque. Je sais qu'il y avait des liens très profonds entre Rémy Escobar et Gilbert Otoa. Ils sont connus, on l'a rappelé hier, fin des années 90, à un colloque en Argentine. Gilbert me parlait souvent de Rémy Escobar, donc Gilbert est mort en mars dernier. Je l'ai vu, il est mort en samedi, je l'ai vu quelques jours avant sa mort à l'hôpital Erasme à Bruxelles. On a eu une longue conversation et Gilbert Otoa, j'ai évidemment vous parlé de son œuvre, mais j'ai également vous parlé de l'homme. Gilbert Otoa parlait encore, alors qu'il était malade, des travaux qu'il avait à accomplir. Et il souhaitait terminer deux projets, notamment un ouvrage sur la science-fiction et puis un projet autobiographique. Et alors qu'il était dans son lit d'hôpital, il évoquait encore les conférences auxquelles il devait participer, et notamment cette conférence ici à Bogota. Et il espérait vraiment pouvoir être rétabli pour venir. Évidemment, le destin en a voulu autrement. Alors, j'ai intitulé ma conférence, je suis un peu ému de vous parler ici de Gilbert, qui était un ami proche. J'ai intitulé la conférence ST, ce sont les initiales de Species Technica, mais ce sont aussi les initiales de l'ouvrage sans doute le plus important de Gilbert Otoa, le signe et la technique. Je vais bien sûr vous parler des thèmes évoqués dans ces ouvrages. Et je vais structurer mon exposé en quelques chapitres. D'abord, puisque j'estime que cette notion de species technica, donc l'idée que l'être humain est une espèce plastique, une espèce technique, c'est-à-dire qui va être transformée par la technoscience et qui va donc évoluer, ce concept est tout à fait central dans l'œuvre de Gilbert Otoa. Et Gilbert Otoa, en 1981, a écrit un roman qui s'appelle justement Species Technica. Ce sera le premier chapitre, puis je vous parlerai du jeune Gilbert Otoa. Le troisième chapitre sera sur la philosophie, et ensuite j'évoquerai son cheminement en bioéthique avant de parler de ses ouvrages sur le transhumanisme et sur la science-fiction. Voilà quelques images avant de commencer cet exposé. Donc on voit, nous sommes en 1999, Gilbert Otoa, j'aime bien cette photo parce que Gilbert Otoa est souriant, il est vraiment heureux d'être ici à Bogota. Et puis quelques photos de Gilbert et de Rémy Escobar. Et il y a 4 ans, j'étais
ici présent à Bogota avec Gilbert et son épouse Annie Otoy. Alors je voudrais remercier également Annie Otoy et son fils Roland parce que j'ai eu accès à des manuscrits inédits de Gilbert, notamment son manuscrit sur la science-fiction qui est presque terminé. Il m'a demandé que je m'occupe de l'édition de ce manuscrit. Et puis il y a aussi eu deux manuscrits très courts, puisqu'il préparait un projet autobiographique, un manuscrit qui s'appelle SF et moi, sur la science-fiction et moi. C'est un manuscrit de 2-3 pages où il parle de lui jeune et de son intérêt pour la science-fiction. Et puis un autre manuscrit aussi très court de 2-3 pages qui est intitulé Mon intérêt pour la philosophie. Et ce texte, dans un de ces manuscrits, SF et moi, il présente en fait une sorte d'autochronologie, donc l'évolution de sa propre pensée en fonction plutôt de ses propres centres d'intérêt en fonction des années. Et cela donne cela, donc 50 et 60 SF et roman, donc dans les années 50 et 60, Gilbert Otoy est né en 1946. Donc très jeune, il commence à s'intéresser à la science-fiction, puis il va entrer à l'Université libre de Bruxelles où il va entamer des études de philologie romane avant de commencer des études de philosophie. 1970, c'est une époque très importante dans sa vie, puisqu'il commence une thèse de doctorat sous la direction de Jean Pomen, une thèse intitulée « L'inflation du langage dans la philosophie contemporaine », et puis cette thèse va être publiée aux éditions de l'Université libre de Bruxelles. Et en 1984, il publie son ouvrage sans doute principal, Le signe et la technique. 1980, SF, philo et bioéthique, science-fiction, il va publier en 1981 ce roman Species Technica. Et puis, 1984, je l'ai dit, il publie le pendant intellectuel de son roman La science, Le signe et la technique, pardon. Et il va, à partir des années 86, s'intéresser à la bioéthique. Et la bioéthique va prendre tout son temps jusqu'au début des années 2000. Et pour l'année 2000, il dit boucler philo et bioéthique en vue de SF intégral, puisque le centre d'intérêt principal de Gilbert Otoy, c'était, à travers cette notion de species technica, la science-fiction. Donc, Species Technica, ce sera le premier chapitre. C'est un roman. Donc, Gilbert Otoy était aussi un romancier. Et à cette époque, donc, il a déjà publié sa thèse et le bouquin issu de sa thèse. Il est, dit-il, épuisé intellectuellement, c'est-à-dire qu'il a dit à cette époque-là tout ce qu'il avait à dire. Et il a l'idée d'écrire un roman. Donc Gilbert Otoy était quelqu'un avec une capacité de travail tout à fait extraordinaire. Il publie ce roman en 15 jours pendant les vacances de Pâques 1981, alors qu'il est dans sa maison de campagne de la Négrépine. Voilà une image du manuscrit original que Gilbert Otoy m'avait gentiment donné. Donc il écrit ça en 15 jours. Et donc 180 pages en 15 jours, si vous connaissez l'écrivain belge Simenon, c'était aussi un écrivain extrêmement prolifique qui écrivait des ouvrages très, très rapidement. Et le thème de l'ouvrage, c'est, il parle d'un philosophe qui s'appelle André Gillian et qui est contacté par des technosciences, des gens qui s'intéressent à la technoscience pour donner un cycle de conférences. Évidemment, André Gillian, c'est un peu Gilbert Otoy lui-même, et Gilbert Otoy, donc, qui écrit ce roman en 1981, va essayer de le faire publier, et il envoie le roman, le manuscrit, à Gérard Klein. Gérard Klein, c'est un auteur français de science-fiction, qui est aussi éditeur de science-fiction, et traducteur de science-fiction, et Gérard Klein lui répond gentiment une lettre en disant « Votre ouvrage est vraiment très intéressant, mais je ne peux pas le publier parce que c'est trop intellectuel, il y a trop de concepts, c'est pas suffisamment romanesque. »
Donc Gilbert Otto est un peu déçu, mais c'est quelqu'un qui est obstiné, qui est, et qui il va en fait publier, il va conserver cet ouvrage, poursuivre sa carrière académique, et publier le livre 20 ans après, enfin il aurait voulu le publier 20 ans après, mais en fait il va le publier 21 ans après, cet ouvrage, c'est Species Technica. Donc c'est, il publie à la fois le roman, mais après le roman, il y a une sorte d'essai philosophique en forme de dialogue. En fait, c'est un dialogue avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Noël Missin, mais c'est une sorte de Jean-Noël Missin imaginaire, je reviendrai. Et donc, dans la postface à Species Technica, Gilbert Autois explique qu'il a mis Species Technica en abîme dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a un jeu entre la réalité et la fiction. Tout d'abord parce que André Gillian lui-même écrit dans le personnage du roman, écrit un livre intitulé Species Technica pour une philosophie du futur. Plus tard, Gilbert Autois va diriger aux éditions Rhin une édition intitulée Pour demain, collection intitulée Pour demain, donc première mise en abîme, premier jeu entre la fiction et la réalité. Et puis ST, Species Technica, c'est, les initiales sont les mêmes. Donc il y a à la fois ce sont les mêmes initiales pour Species Technica, l'œuvre romanesque, et puis pour Le signe et la technique, qui est sans doute l'ouvrage le plus important de Gilbert Autois. Et puis, troisième mise en abîme, il introduit ce dialogue philosophique avec moi. Donc, effectivement, je me rappelle lui avoir posé quelques questions, mais les questions imaginées dans ce dialogue de plus de 150 pages sur le transhumanisme, sur Species Technica, sur la philosophie de la technique, c'est effectivement une reconstruction de Gilbert. Alors, avant de rentrer dans l'œuvre de Gilbert et d'étudier les thèses défendues dans ses premiers ouvrages, quelques mots sur le jeune Gilbert Autois, parce que c'est important pour comprendre la suite de son œuvre. Donc il est né en 1946 et il vit dans le nord de Bruxelles, à Aaren, et très tôt il s'intéresse à la science-fiction. Donc Gilbert Autois n'avait pas au départ de formation scientifique, mais son lien avec la science au départ, c'est la science-fiction. Donc il lit Bob Morin, Henri Verne, et ça le fascine. Donc il est fasciné par la science-fiction, et bon, après cela, il va... Il y a aussi un nom que je dois citer, qui est le nom de Maurice Weyenberg, qui est un de ses amis, qui lui a fait des études de philologie germanique, qui est devenu professeur à l'ULB également, avec qui il a publié des ouvrages et qu'il voyait très régulièrement. Et quand il habitait à Aaren, la maman de Gilbert Autois lui montrait, Maurice Weyenberg était plus âgé de lui, lui montrait la chambre de Maurice Weyenberg, il avait toujours la lumière, il disait « Regarde, Maurice, lui, il travaille, donc il n'avait pas besoin de dire à Gilbert Autois de travailler, parce qu'il a travaillé toute sa vie, il avait une puissance de travail tout à fait extraordinaire. » Donc, après ses études de philologie romaine, il entreprend des études de philosophie, une licence en philosophie, et il va d'abord publier donc, son mémoire de philosophie, c'est sur... Wittgenstein, donc il vient des philosophes de philologie romaine, il s'intéresse au langage, et il va faire sa thèse sous la direction de Jean Baumaine, qui est un homme extraordinaire, philosophe, spécialiste de Karl Jaspers, qui nous donnait des cours sur Kant. Je me rappelle d'un cours de Jean Baumaine sur l'ennui, il y avait 30 heures sur l'ennui, il parlait des trois formes de l'ennui chez Heidegger, avant d'aborder la question de l'ennui dans la littérature, notamment chez Jean Giono, un roi sans divertissement. Et donc Gilbert Autois rédige cette thèse intitulée « L'inflation du langage dans la philosophie contemporaine ». Et je n'avais jamais lu, en fait, je connais bien l'œuvre de Gilbert Autois, mais le fait de devoir faire cette conférence d'hommage m'a fait relire et redécouvrir l'œuvre de Gilbert Autois, et j'ai été très étonné de la cohérence de l'ensemble de cette œuvre. Et quand on lit
la thèse, on est surpris vraiment, et moi j'ai été surpris parce que tout est là déjà, tout est là en germe, et dans la suite de son œuvre, il va simplement développer ce qui est là en puissance dans cette thèse extrêmement profonde. Alors, là, l'image que vous avez à l'écran, c'est pas la thèse elle-même, c'est l'ouvrage, la thèse date de 77, et le bouquin de 79, le livre que vous avez sous les yeux, publié aux éditions Libres de Bruxelles. Et quelques années plus tard, en 1984, il sort le signe de la technique, qui est, selon l'expression de Gilbert Autois lui-même, une sorte de digest, une sorte de condensé plus accessible, plus ouvert, des thèses qu'il présente dans cet ouvrage, L'inflation du langage. Alors, quelles sont ces thèses? Eh bien, il y a une opposition entre le signe d'un côté et de l'autre, la technique. Alors, qu'est-ce que c'est le signe? Le signe, c'est d'abord le langage, mais aussi le symbole. Donc, encore une fois, Gilbert Autois a une formation plutôt littéraire, puis philosophique, et il est impressionné par l'inflation du langage, ce qu'il appelle l'inflation du langage chez les philosophes. Donc évidemment, du côté du signe, du langage, l'homme est le vivant parlant, mais il considère qu'il a reçu une éducation philosophique essentiellement des cours de phénoménologie, et il est aussi en contact avec la philosophie française des années 60 et 70, donc des auteurs comme Gilles Deleuze, Derrida, Foucault, etc. Et alors il ne dit pas que ces auteurs sont inintéressants, il dit simplement qu'ils se perdent dans le langage. Donc il y a une inflation du langage, et ce qu'ils perdent, c'est qu'ils ne voient pas, ils se désintéressent, ou ne s'intéressent pas, à quelques rares exceptions près comme Heidegger, à la technique, c'est-à-dire à la technoscience, qui est le phénomène le plus important dans nos sociétés contemporaines. Donc les philosophes se désintéressent de la technique, alors que pour comprendre le monde contemporain, il faut s'intéresser à la technique. Et Gilbert Autois ne se contente pas de ce concept de technique, il va forger, c'est lui qui forge en français, le concept de technoscience. Et dans technoscience, on a aussi les deux pôles, le pôle théorique, la science, et puis le pôle pratique, technoscience. Donc il y a un mélange de théorie et d'opératoire. Et pour Autois, la technique s'oppose au langage parce que la technique est dans le domaine de la pratique de l'opératoire. Donc les questions que pose le langage et les questions que pose la technique sont d'ordre différent. Le langage, les philosophes ont posé plutôt des questions liées à l'essence, quelle est l'essence de l'homme par exemple, tandis que du côté de la technoscience, on va poser la question comment peut-on transformer l'homme ou comment peut-on prolonger la vie de l'homme. Ce sont des questions pratiques. Il y a donc ce côté opératoire de la technique, et la technique, c'est ce qui impressionne Gilbert Autois, la technique va transformer, c'est pour ça que c'est le moteur de nos sociétés, la technique transforme l'environnement, mais transforme aussi l'être humain. Et donc, provoque des mutations, ce qu'il appelle des mutations. Alors, c'est en germe dans sa thèse, il va développer ça de façon plus circonstanciée dans son ouvrage Le signe et la technique, et il parle des modifications que va engendrer la technoscience sur l'être humain. Parce que c'est, encore une fois, l'idée centrale de toute son œuvre, c'est que l'homme, l'espèce humaine, est une species technica, c'est-à-dire une espèce plastique qui va être transformée par l'être humain. Donc, si vous voulez, on ne parle pas encore de transhumanisme, mais le transhumanisme est en germe dans l'œuvre de Gilbert Autois. D'ailleurs, il utilise dans sa thèse des concepts comme transhumain ou ab humain, ab du latin s'éloigner de l'humain, et il considère que la technoscience va transformer l'homme en profondeur. Il s'intéresse à cette époque-là, il n'a pas encore commencé à s'intéresser à la bioéthique, mais dans le signe de la technique, il donne des exemples de modifications que va provoquer la technoscience, la science sur l'être humain.
Et ce sont des exemples classiques qu'on reprendra plus tard lorsqu'on publiera, lorsque je publierai avec Gilbert, notamment la nouvelle encyclopédie bioéthique. Il parle d'abord de toutes les modifications liées au cycle de vie, donc modifications de la naissance jusqu'à la mort. Et à l'époque, il publie le signal technique en 1984, c'est le début des procréations médicalement assistées, Louise Brown, et je crois, en 1978. Il parle des modifications au début de la vie, mais aussi des modifications en fin de vie, avec l'idée qu'un jour on pourra prolonger. C'est pas encore possible, c'était pas encore possible dans les années 80, c'est pas encore tout à fait possible aujourd'hui, ça sera peut-être un jour. Et donc l'idée qu'on va pouvoir prolonger la vie. Il parle aussi des manipulations génétiques, c'est un concept qu'on utilisait à l'époque, aujourd'hui on parle plutôt de la recombinaison de l'ADN, mais c'était en 1970, les premières expérimentations où on pouvait couper et coller l'ADN, les premiers organismes génétiquement modifiés, avec le fameux moratoire d'Asilomar. Il parle aussi de la possibilité du cyborg, donc des fusions homme-machine, et de toutes les manipulations sur le cerveau. Alors, aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont débattus presque tous les jours dans des colloques internationaux, mais à l'époque, c'était relativement moderne. Et ce qui est important pour toi, c'est que cette technoscience qui transforme le monde va provoquer une sorte de transcendance. Et donc il introduit deux concepts qui sont des concepts tout à fait fondamentaux pour lui. Il parle d'une part de mur cosmique et de l'autre de transcendance noire. Donc le mur cosmique, c'est le terme qu'il utilise dans sa thèse de doctorat, et dans le signal technique, les deux termes ont la même signification, on parle de transcendance noire. Et la transcendance noire, ça veut dire que, en fait, la technologie va transformer l'environnement et surtout l'être humain, species technica, mais on ne sait pas dans quel sens. C'est pour ça que la transcendance est noire, c'est qu'on ne peut pas dire à long terme ce que va devenir l'être humain. Et donc, la technoscience change le rapport au temps. Dans nos sociétés contemporaines, le rapport au temps, nous dit-il, se creuse vertigineusement, ce sont les termes utilisés par Gilbert toi lui-même, vers le passé, mais aussi surtout vers le futur. Et donc c'est cette idée d'un homme, d'une espèce humaine qui va être transformée par les technosciences, on ne sait pas comment, qui correspond à ces concepts de transcendance noire et de mur cosmique. Il y a une autre thèse fondamentale dans ces ouvrages de philosophie, ces premiers ouvrages de philosophie, c'est l'idée que le futur est opaque. Il y a une opacité du futur, et d'autre part, il réfute la thèse souvent défendue à l'époque que l'idée que la technologie est un instrument pour l'homme. Donc la thèse instrumentaliste de la technoscience. La technoscience n'est pas un outil pour l'être humain. Oui, bien sûr, ça peut l'être à une échelle microscopique. Mais si on prend la technoscience globalement, la technoscience a un impact sur l'être humain qui ne dépend pas uniquement de lui. La technoscience a son propre agenda, son propre développement, et il reprend les thèses de Jacques Ellul, qui considère qu'il y a une sorte d'autonomie de la technoscience. La technoscience est comme un moteur qui pousse la société et l'être humain de l'arrière, qui va engendrer des modifications qui sont en partie indépendantes de l'être humain. C'est encore une fois pour cela qu'il parle de transcendance noire, parce qu'on ne sait pas dans quel sens vont nous conduire ces modifications liées à la technoscience. Donc voilà la première édition du signal technique de 1984. Et il va, en 2017, republier l'ouvrage avec une postface où il fait le point sur l'évolution de son œuvre. Et voilà ce qu'il écrit, deux phrases simplement, deux courts extraits de sa thèse de doctorat qui montrent d'une certaine façon les positions du jeune Gilbert Autois. La dignité ultime de l'homme cherchant à s'affirmer non plus dans l'assomption de sa nature humaine,
mais dans l'audace et dans le risque de la négation de cette nature. Donc, c'est déjà des idées presque transhumanistes, et plus tard, il écrira « Le transhumanisme est-il un humanisme ?» Et nous verrons qu'il va répondre « oui », mais il réfute l'humanisme à l'ancienne et il considère qu'il faut prendre en compte cette notion de species technica, donc nier l'existence d'une nature humaine. L'homme est celui qui modifie sa propre nature. Et aussi, une citation qui est paradoxale, puisqu'ensuite Gilbert Rotois va consacrer sa vie à la bioéthique pendant 15 ans, alors que, ici, dans sa thèse de doctorat, il a presque l'air de dire que c'est une tâche impossible. Voilà ce qu'il écrit dans le dernier chapitre de sa thèse. « Comment une instance éthique pourrait-elle être de dernier recours, là où les paramètres de l'humain se trouvent concrètement mis en question ?» Alors, nous sommes en 1985-1986, c'est l'époque où je rencontre Gilbert Rotois, donc je termine quatrième doctorat en médecine, je m'inscris en philosophie. Gilbert Rotois est mon professeur, donc j'ai encore des vagues souvenirs de son cours où il parlait du signe et de la technique. Et il posait la question, je me rappelle de cette question, que sera l'homme dans 10 000 ans ou dans 1 million d'années ? Et considérait cette question comme éminemment philosophique. Et ça rejoint ce concept de transcendance noire, même s'il y a aujourd'hui des philosophes transhumanistes, et si j'y reviendrai, Gilbert Rotois lui-même se considérait comme un philosophe transhumaniste. Ce qui a intéressé Gilbert, un peu dans le prolongement de son intérêt pour la science-fiction, c'est l'avenir à très long terme. Et quand on parle d'un avenir à très long terme, on n'a aucune idée, lorsqu'on pose la question que sera l'homme dans 10 000 ans ou dans 1 million d'années, on peut dire peut-être, on peut répondre à la question que sera l'homme dans un siècle ou dans 50 ans, mais dans 10 000 ans ou dans 10 millions d'années, s'il existe encore, on n'a pas de réponse. Alors, fin des années 80, 1986, il va commencer à s'intéresser à la bioéthique. C'est pas tout à fait le hasard, puisque déjà dans sa thèse et dans le signe à la technique, il parle de la nécessité de sauvegarder la sensibilité éthique, et c'est l'homme qui est en quelque sorte le garant de cette sensibilité éthique. Et en 1986, il a publié un ouvrage pour une éthique dans un univers technicien, et on va lui proposer de participer à un colloque sur la bioéthique dans les années 90 en Belgique. À l'époque, il existe des centres de bioéthique, mais dans les universités catholiques, l'Université libre de Bruxelles et l'Université laïque, non confessionnelle, et il n'y a pas encore de centre de bioéthique. Et Gilbert Rotois a accepté de participer à ce colloque et va créer, c'est l'époque où je le connais, donc je vais vivre avec lui cette expérience de la création du centre de recherche interdisciplinaire en bioéthique. On va beaucoup discuter sur la nécessité de la création d'un comité consultatif de bioéthique en Belgique. Et puis Gilbert Rotois va s'intéresser en profondeur à la bioéthique, ce qui va l'obliger à acquérir une culture scientifique qu'il n'a pas vraiment, au contact avec les médecins qu'il côtoie, notamment dans ses commissions. Alors, il va publier tout d'abord un ouvrage qui s'appelle « Les mots de la bioéthique ». Il y a aussi un petit ouvrage « Qu'est-ce que la bioéthique ?» Et au début des années 2000, on publie cette nouvelle encyclopédie de bioéthique. Alors, quelles sont les idées centrales de Gilbert Rotois pour la bioéthique? Il est tout d'abord partisan d'un pluralisme moral. C'est aussi un libéral, c'est-à-dire qu'il insiste beaucoup sur le concept d'autonomie, et il considère que les questions bioéthiques doivent être discutées dans des comités avec des personnes venant de disciplines différentes, et il est favorable à un consensus, mais pas nécessairement une position à l'unanimité. Et quand on compare par exemple le mode de fonctionnement du comité consultatif belge bioéthique avec celui du comité français, le comité consultatif national d'éthique en France,
En Belgique, souvent, Gilles Perrotoy était d'emblée membre de ce comité belge de bioéthique, et lorsqu'on lit les, je les rejoins un peu plus tard, et lorsqu'on lit les avis du comité belge, il y a souvent des positions minoritaires, donc sur des questions très variées. Il y a un avis majoritaire, puis il y a des divergences d'opinion, et on inclut ces divergences d'opinion dans le rapport. Alors tout récemment, donc à la fin, Gilbert Rotoin avait un peu marre de la bioéthique, il voulait boucler à la fois la philosophie et la bioéthique pour s'intéresser à la fois à la science-fiction et au transhumanisme. Mais il a quand même publié un article bioéthique, l'entrée bioéthique pour l'encyclopédia universaliste. C'était tout récent, c'est, je crois que c'est 2018 ou 2019. Et dans cet article, il revient sur la question des manipulations génétiques à travers la nouvelle technologie qu'est le CRISPR-Cas9. Et je vais prendre cet exemple pour illustrer les thèses défendues par Gilbert Rotoy dans son ouvrage Le signe et la technique. Donc le CRISPR-Cas9, c'est, vous savez, une technologie qui était découverte récemment, il y a quelques années, par deux chercheuses, deux femmes, une américaine, Jennifer Doudna, et une française, Madame Charpentier. Et c'est une découverte, comme souvent en science, une découverte de hasard. On a découvert en fait que lorsque certains virus attaquaient des bactéries, la bactérie pouvait se défendre contre l'ADN viral en le détruisant, en le coupant. Et en même temps, en intégrant certaines parties des fragments de génome du virus dans son propre ADN bactérien pour se défendre, une sorte d'immunité de la bactérie par rapport au virus. Alors, Doudna et Charpentier ont tout de suite vu l'intérêt de cette sorte de biotechnologie naturelle. Et grâce à cet outil technologique, on peut aujourd'hui, on pouvait déjà le faire avant, mais on peut aujourd'hui, avec une beaucoup plus grande efficacité, modifier le génome de n'importe quelle cellule, qu'il s'agisse d'une cellule végétale ou animale, d'ADN humain ou d'ADN de cellules d'embryons humains, ce qui pose évidemment des questions éthiques. Alors, comme Gilbert Rotoy, nous le verrons, a répondu à des positions de certains philosophes sur ces questions, notamment, elle écrit un article pour critiquer Habermas, je vais reprendre ce thème pour montrer comment la technoscience risque de transformer l'homme. Alors, on a donc un outil qui permet de modifier le génome. Évidemment, la question la plus sensible au niveau éthique, c'est si on modifie directement le génome d'embryons humains. Donc, jusqu'il y a quelques années, c'était de la science-fiction. Maintenant, ça devient une réalité et ça pose évidemment des questions éthiques et philosophiques. Et là, encore une fois, les positions peuvent être très, très différentes. Alors, ça illustre l'effacement des frontières entre le thérapeutique et le amélioratif, puisque Jennifer Doudna nous explique que grâce au CRISPR-Cas9, on va pouvoir éliminer les maladies génétiques. Donc ça, c'est la médecine classique, c'est la médecine thérapeutique. On va pouvoir corriger le génome pour enlever et remplacer les gènes qui codent pour des maladies. Mais évidemment, si on peut faire ça, on peut aussi utiliser la même technologie au niveau amélioratif. C'est un des grands thèmes de la médecine améliorative qui est la sélection et la modification du génome, donc le thème de l'eugénisme. Alors il y a eu un débat philosophique sur ces questions, et Rotoy a participé à ce débat philosophique. On voit qu'au début des années 2000, des philosophes classiques, notamment Jürgen Habermas, s'emparent du thème des biotechnologies et commencent à publier. Et souvent, ces thèses, en tout cas chez Habermas, ce sont des thèses qu'on appelle aujourd'hui bioconservatrices, c'est-à-dire qui considèrent que
la science est là, la technoscience est là, dans le domaine médical, doit rester thérapeutique et ne peut pas être utilisée pour modifier l'être humain, ne peut pas être utilisée à des fins amélioratives ou transformatives de l'être humain. Et Otto a écrit un article sur les thèses d'Habermas, et Habermas publie ce bouquin sur les biotechnologies, j'ai oublié son titre, et il explique que si on a la possibilité un jour de modifier le génome d'un embryon, l'adolescent ainsi transformé, l'adolescent transgénique qui proviendra de cette modification technoscientifique, pourra reprocher à ses parents d'avoir été modifié. Alors, ce que Habermas ne voit pas, c'est ce que Gilbert Autois répond à Habermas, ce que Habermas ne voit pas, c'est que la technologie elle-même change la donne. Donc la technologie n'est pas simplement un instrument, la technologie change la donne et engendre des modifications qui sont quasiment inévitables. Et Gilbert Autois va renverser l'argument de Habermas. Donc Habermas va jusqu'à dire qu'il faut une sorte de 11e commandement, tu ne modifieras pas le génome de l'espèce humaine, ce qui fait un peu rire Gilbert Autois qui défend des thèses en partie opposées. Et on peut répondre à Habermas qu'en fait, on peut imaginer une expérience de pensée, donc au 22e siècle par exemple, puisque le futur lointain est inanticipable, la transcendance noire, mais disons à court terme, on peut imaginer effectivement un enfant qui aura été transformé par la technoscience. Et encore une fois, Gilbert Autois s'appuie sur la science-fiction, et notamment sur un ouvrage qui s'appelle Black Milk, le lait de la chimère, qui est un ouvrage de science-fiction où l'auteur Robert Reed met en scène, en fait, c'est une communauté aux États-Unis, un village où les enfants étaient modifiés génétiquement. Mais ce n'est pas une dystopie à la... c'est pas le meilleur des mondes de Huxley, non, c'est tout se passe bien, donc les enfants sont heureux, l'un a été amélioré cognitivement, l'autre a reçu telle ou telle modification, et ils jouent normalement comme des enfants ordinaires. Et donc on peut imaginer de répondre à Habermas au 22e siècle, disons dans une société qui aurait accepté ces modifications génétiques, où la plupart des êtres humains naîtrait avec des modifications génétiques pour différentes raisons. On pourrait imaginer un enfant qui serait resté un enfant naturel, un enfant bio, reprocher à ses parents de ne pas l'avoir transformé. Tu sais, papa, moi j'ai été à l'école toute la journée, maintenant je dois travailler, alors que mon copain Michael, dont on a modifié le génome, il est au cours et il mémorise immédiatement, il n'a pas besoin de travailler après. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas. Tu n'as pas réalisé sur moi ces modifications. Alors l'idée ici, c'est pas d'être bioconservateur ou d'être transhumaniste, c'est simplement l'idée que la technologie change la donne. Une fois que la technologie est réalisée, qu'effectivement on a la possibilité de modifier le génome d'embryon humain, la question se pose parce qu'on va toujours avoir des bonnes raisons pour le modifier. Nous naissons tous avec des anomalies plus ou moins graves dans notre génome, et lorsqu'on aura la possibilité, c'est déjà en partie le cas, de regarder la carte génomique de l'enfant et d'entreprendre des modifications pour corriger, on le fera ou certains choisiront de le faire. Et donc c'est l'idée qu'on passe d'une sorte de destin génétique, et donc jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, enfin, moi j'ai eu des enfants naturels, j'en suis très heureux, je ne me suis même pas posé la question. Mais le jour où ce sera possible, rationnellement, on sera presque obligé de se poser la question. Et puis alors, on pourra dire oui ou non, je souhaite ou je ne souhaite pas faire des modifications. Mais l'idée qu'il y a des choses indésirables dans le génome de l'embryon et l'idée corollaire qu'on peut modifier va faire qu'à un certain moment, eh bien, on choisira de modifier. D'abord au niveau thérapeutique et puis au niveau non thérapeutique, et Gilbert Autois aime bien prendre l'exemple d'une immunité renforcée. Si on avait la possibilité de modifier le génome d'un embryon humain pour renforcer son immunité, quels seraient les arguments éthiques pour dire que ce n'est pas une bonne chose? C'est ainsi que ces technologies, ces changements technologiques
nous entraîne vers des modifications qui dépendent en partie de nous, mais pas tout à fait complètement de nous. Alors, cela nous conduit au dernier thème, un des derniers thèmes qui occupait Gilbert Rotoy. Et là, encore une fois, j'ai été très surpris en relisant Species Technica. Et je vous disais que donc la deuxième partie de Species Technica, c'est un essai philosophique en forme de dialogue. Et je pose des questions à Gilbert Rotoy. La plupart des questions que je lui pose, c'est des questions qu'il a imaginées lui-même, mais que je l'avais quand même posé. Je me rappelle maintenant une dizaine de questions. Je lui avais envoyé des questions par Internet. Et je ne me rappelais plus du tout lorsque j'ai relu ça. Je lui pose la question, Gilbert Rotoy, connaissez-vous le transhumanisme? Voilà la question, je cite, donc c'est JMM, donc c'est moi qui m'adresse à Gilbert. Aux États-Unis s'est développé un mouvement très structuré, le transhumanisme, donc nous sommes vers 2001. Connaissez-vous ce mouvement et vous en sentez-vous proche? Alors la réponse de Gilbert, donc j'étais stupéfait en lisant la réponse, c'est Gilbert Rotoy, GH répond, je vais essayer de vous répondre point par point. D'abord, non, je ne connaissais pas ce mouvement. Donc j'étais stupéfait de réaliser qu'en 2001, en fait, Gilbert Rotoy, alors qu'il défend lui-même des thèses proches du transhumanisme, ne connaissait pas l'existence, par exemple, de Nick Bostrom ou de Julian Savulescu. Il avait développé indépendamment ses propres thèses, mais il ne connaissait pas. Il faut dire qu'en 2001, moi, je viens de découvrir l'existence du transhumanisme, et j'en parle à Gilbert parce que ça m'impressionnait. Donc, à cette époque, tout un débat autour du transhumanisme, et Gilbert le découvre, et voilà ce qu'il ajoute. Donc, d'abord, non, je ne connaissais pas ce mouvement, pas même son existence. De ce que j'entends de vous, je constate qu'il soulève toute une série de questions très importantes qui recoupent clairement celles qui se posent à travers Species Technica et aussi le signal technique, et que je m'efforce d'approfondir philosophiquement depuis la moitié des années 70. Je pense tout spécialement au rapport avec l'humanisme des Lumières, donc il va écrire cet ouvrage « Le transhumanisme est-il un humanisme ?» un peu plus tard, et à la mise en question du paradigme thérapeutique dont je viens de vous parler. Vous parlez vous-même d'un certain simplisme et d'un optimisme naïf. Je partage tout à fait cette impression. Personnellement, je suis plus prudent, donc Gilbert Rotoy était toujours très prudent, même en défendant des thèses extrêmement controversées, non par crainte, mais parce que je pense que toute cette problématique, toutes ces perspectives sont infiniment plus ambivalentes, lointaines et lentes qu'il ne semble à écouter ces candidats à la transhumanité. Mais il ne faut pas non plus condamner la candeur, l'enthousiasme et l'optimisme en bloc. Et donc, ce que dit Gilbert Rotoy dans ce passage que j'ai relu et qui m'a étonné et que je trouvais extrêmement intéressant, c'est que, oui, le transhumanisme, mais pas un transhumanisme naïf, pas la transformation de l'être humain à très court terme pour devenir immortel, mais les conséquences que cela engendre à long terme sur l'espèce humaine, donc les thèses, les thèmes qu'il défendait dans ses premiers ouvrages, le concept de transcendance noire et de mur cosmique. Alors, il va publier plusieurs ouvrages, donc tout d'abord un petit volume aux presses de l'Académie royale de Belgique, le transhumanisme est-il un humanisme? Et puis, comme Gilbert Rotoy ne fait jamais les choses à moitié, cet ouvrage très important, qui est sans doute le meilleur ouvrage aujourd'hui sur les questions transhumanistes, philosophie et idéologie post-humaniste. Alors, quels sont les arguments de Gilbert Rotoy? Et dans cet ouvrage, il revient d'ailleurs sur l'histoire du transhumanisme, qu'il ne connaissait pas vraiment en 2001. Et là, il va étudier très attentivement les racines de ce mouvement, et il va rechercher les racines en suivant d'ailleurs les auteurs transhumanistes, comme Nick Bostrom, qui a écrit une histoire du transhumanisme.
Donc il reprend cet article et il va fouiller en utilisant l'article de Bostrom comme référence. Et donc il cite Pic de la Mirandole, Francis Bacon, et puis surtout au XVIIIe siècle, Condorcet, pour répondre à la question « Le transhumanisme est-il un humanisme ?» Donc il répond oui à cette question, il dit « Oui, le transhumanisme est un humanisme, mais pas un humanisme à l'ancienne. » Parce que l'humanisme à l'ancienne, il est toujours dans le signe, il est toujours dans la technique. Et donc il accepte l'humanisme à l'ancienne, l'humanisme laïque, accepte toutes les transformations qui sont des transformations symboliques de l'homme. Mais l'humanisme classique, généralement, a du mal à accepter les transformations physiques, techno-scientifiques de l'être humain. Et il considère que ce sont des thèses dépassées, et il met l'accent sur l'importance de l'évolution. Et d'ailleurs, dans l'auteur qui invente apparemment ce terme de transhumanisme, qui est Julian Huxley, qui est un biologiste, biologiste de l'évolution, qui a joué un rôle aussi important dans le mouvement eugéniste, qui a été le premier directeur de l'UNESCO, donc c'est, je ne dirais pas celui que c'est amusant de voir que le premier directeur de l'UNESCO défendait des thèses transhumanistes. Et donc c'est l'idée que, oui, un humanisme, mais un humanisme qui, comme il écrivait déjà dans sa thèse, un humaniste qui considère qu'il n'y a pas de nature humaine et que l'être humain, l'espèce humaine, c'est une species technica, donc elle va être modifiée. Alors contrairement au transhumaniste traditionnel, Gilbert Rotois plaidait pour un transhumanisme sans illusion. Il ne faisait pas d'illusion sur son avenir personnel, il savait qu'il n'allait pas devenir immortel. Lorsqu'on posait la question à un transhumaniste, par exemple, j'étais il y a quelques mois à un colloque en France avec le vice-président de l'Association française du transhumanisme, et je lui posais la question, puisqu'il plaît pour le thème central du transhumanisme, c'est la prolongation de la vie, l'immortalité, et je lui pose la question, mais pour toi personnellement, quelles sont tes chances de devenir immortel? Et il me répond, réfléchit un peu, il me répond 50%. Donc il avait 50aine d'années, il pense qu'il a 50% de chances de devenir immortel. Ça, c'est la naïveté d'un certain transhumanisme. Gilbert Rotois défendait un transhumanisme théorique, conceptuel, très proche des thèses de ses premiers ouvrages, donc l'idée d'une transcendance noire. Et néanmoins, il avait une certaine admiration pour des auteurs comme Nick Bostrom et Julian Savulescu. Donc pour ceux qui ne savent pas ici ce qu'est le transhumanisme, on peut résumer les thèses transhumanistes en disant que, par un slogan, donc vivre en meilleure santé, être plus intelligent, vivre plus longtemps, tout cela dans l'espoir d'être plus heureux. Donc c'est une sorte d'optimisme naïf qui correspond à la philosophie des Lumières plus des technosciences. Gilbert Rotois ne partageait pas cet optimisme naïf, mais en même temps il considérait que le transhumanisme constituait la véritable philosophie de la technologie. Alors il accorde aussi une importance à la distinction entre transhumanisme et post-humanisme, et qui sont, en fait, il y a quatre utilisations possibles du mot post-humanisme. C'est dans le dernier chapitre de son ouvrage. Il tenait beaucoup à cette différence. Pourquoi? Parce que Rotois est intéressé au long terme, donc que sera l'homme dans plusieurs millions d'années. Et là, on est dans le post-humanisme, pas dans le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est vouloir devenir immortel demain ou aujourd'hui. Ça, c'est naïf, mais l'intérêt philosophique, c'est penser à long terme. Et donc, la première occurrence, c'est de considérer que transhumanisme et post-humanisme, ce sont des synonymes. C'est comme ça que j'utilise le terme. Il y a une deuxième occurrence de post-humanisme, qui est une occurrence à l'intérieur des sciences humaines. C'est une critique de l'humanisme classique, mais qui ne tient pas compte de la technoscience, ce qui est peu d'intérêt pour Gilbert Rotois. Une troisième occurrence, c'est une transformation biologique
un transhumanisme extrême qui va aboutir à des modifications en profondeur, une transformation radicale de l'être humain, un post-humain, à partir d'une modification biologique. Et la quatrième occurrence, c'est du post-humanisme. Là, on ne parle plus d'être humain, et c'est l'autre courant du transhumanisme, celui qui vient de l'intelligence artificielle, hein, des auteurs comme des scientifiques comme Marvin Minsky, des spécialistes de l'intelligence artificielle, qui considèrent que le cerveau biologique, en fait, s'est complètement dépassé, c'est trop lent, c'est périssable, il faut remplacer ces cerveaux biologiques par des intelligences artificielles. Et dans le prolongement de Marvin Minsky, vous avez toute une série d'auteurs, et sans doute que le plus connu par le grand public, c'est Ray Kurzweil, qui annonce une singularité, donc c'est qui annonce l'existence, enfin l'arrivée future d'intelligences artificielles qui seront non seulement beaucoup plus intelligentes que les êtres humains, mais aussi qui seront conscientes. Donc on ne sait pas s'il s'agit de fantasmes ou de réalité, en fait. Théoriquement, c'est possible, il n'y a pas d'impossibilité si on est matérialiste à considérer que si on prend le cerveau biologique, la conscience est un phénomène très étudié aujourd'hui. On sait que la conscience émerge de l'activité d'une activité biologique dans des réseaux de neurones. Donc il n'y a pas a priori d'objection à ce qu'un jour on crée une conscience artificielle en reproduisant d'une façon ou d'une autre des neurones artificiels, mais on en est très loin, empiriquement on n'a rien, mais c'est la quatrième occurrence du concept de post-humanisme, c'est-à-dire l'être humain qui sera remplacé par qui vivra avec des espèces d'intelligence artificielle qui seront en même temps conscientes. Il y a aussi la question de la super intelligence. Amit Bostrom a écrit un bouquin sur ce sujet. Alors, le temps passe et j'en arrive, mais je serai bref, au dernier thème, celui de la science-fiction. Donc, Gilbert Rotois a presque terminé un manuscrit sur la science-fiction qui était vraiment... c'était son grand projet et bon, c'était depuis sa jeunesse, il était fasciné par la science-fiction. Même quand il était jeune, il a écrit quelques nouvelles, à 12-13 ans, il a écrit des nouvelles de science-fiction. Il en parle dans son manuscrit inédit autobiographique. Et dans un de ses manuscrits écrits à 12-13 ans, il imagine que l'espèce humaine, en fait, ce sont des robots qui ont été conçus par des extraterrestres. Donc, il trouvait ça amusant d'avoir songé à cela à l'âge de 12 ans. Et donc, son manuscrit est en deux parties. Il y a une histoire de la science-fiction. Donc il fait l'historique de la science-fiction jusqu'au XXe siècle et il parle très brièvement de l'évolution de la science-fiction au XXe siècle. Et voilà ce qu'il écrit dans le dernier chapitre, non pas de son manuscrit, mais de son ouvrage « Idéologie et philosophie transpost-humaniste ». Et il parle de son propre projet qu'il a en partie réalisé. Une histoire de la science-fiction reste à écrire qui montrera que l'imaginaire et la philosophie de la science-fiction sont profondément transhumanistes. Donc pour Gilbert Rotois, la philosophie centrale de la science-fiction, c'est également le transhumanisme. Ce qui ne signifie pas nécessairement favorable au transpost-humanisme, ni confiant dans un avenir transpost-humain positif, en transcendance noire. Mais pour Rotois, ce qui est intéressant, c'est que la science-fiction nous rapproche de ces possibles liés à cette transcendance noire, à ces murs cosmiques. Donc on arrive au seuil des possibles de cette spécies technique qui est modifiée par la technoscience. Voilà ce qu'il écrit, toujours dans le dernier chapitre de son ouvrage sur le transhumanisme. La grande science-fiction de Stapledon Hagan, de Banks ou Benforth, en passant par Clark Lem et quelques autres, conduit de façon passionnante au seuil des singularités transpost-abhumaines. Alors, quelques mots de conclusion sur Gilbert Rotois, qui a publié un nombre impressionnant d'ouvrages, je pense une cinquantaine d'ouvrages, plusieurs centaines d'articles. Il avait une capacité de travail, je l'ai dit, tout à fait... stupéfiante. Il a aussi, il aimait beaucoup voyager, il a donné des conférences dans le monde entier. D'ailleurs, son,
Son maître Jean Pomène lui disait un jour, Gilbert Ottoy, vous irez à Oulan-Bator. Oulan-Bator, c'est la capitale de la Mongolie. Donc Jean Pomène, lui, qui ne bougeait pas, qui ne se dépassait pas de Bruxelles, était impressionné par tous les voyages de Gilbert Ottoy. Et c'est une anecdote, mais Gilbert Ottoy, un jour, a vraiment été invité à Oulan-Bator, même si pour des raisons contingentes, il n'a jamais été. Il a pu dire à son maître, tu vois. Donc Gilbert Ottoy a aussi eu d'autres activités, dont des activités d'éditeur. Il a dirigé une collection chez De Book et surtout sa collection chez Vrin qui s'appelait Pour Demain, qui est encore une allusion à Species Technica, puisque l'ouvrage écrit par André Gillion, le personnage de Species Technica, c'est Species Technica pour une philosophie du futur, et la collection de Gilbert Ottoy, c'est Pour Demain. Il a publié la plupart de ses ouvrages dans cette collection. Il a aussi formé des jeunes doctorants, enfin qui sont plus très jeunes aujourd'hui, et je veux simplement en citer deux. C'est Marie-Geneviève Pinsard, qui a été très longtemps son assistante et qui a travaillé aussi, qui était présidente du comité belge bioéthique, et un jeune philosophe extrêmement doué, Pascal Chabot, qui a réalisé, sous la direction de Gilbert Ottoy, une thèse sur Simondon. Gilbert Ottoy était quelqu'un d'extrêmement intègre, honnête, fidèle, qui soutenait toujours ses doctorants et ses étudiants. Et je voudrais ici lui rendre publiquement hommage et le remercier pour tout ce qu'il a fait. En guise de conclusion, je vais citer Gilbert Ottoy, qui encore une fois avait ce projet d'une autobiographie intellectuelle. Et il songeait à un titre pour son futur bouquin. Et un des titres possibles, c'était « Circonstances ». Donc là, j'ai fait une erreur en tapant sur mon iPhone, c'est « Contingence », mais en fait, il faut lire « Circonstances ».« Circonstances », voilà un titre original et une perspective. Je ne peux parler que des circonstances contingentes de ma vie. Je n'ai pas trouvé la solution de l'énigme. Je ne puis exposer que les faits, ce qui comprend les idées. Il n'y a pas de sens. Il y a eu la quête d'un sens et il ne faut pas présenter les choses autrement. Et il ajoute en citant Stanislas Lem, « Du moment que nous ne comprenons pas l'énigme, il ne nous reste en fait rien d'autre que les circonstances. » Je vous remercie pour votre attention.